Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Assassin's Creed Syndicate pour la séquence 4, Mémoire 7. Donc ça sera la dernière mémoire de cette séquence. Et après, on basculera sur la séquence 5. Donc on se retrouve après la cinématique. Allez, à tout de suite. Vous n'avez pas trouvé de fragment d'Éden, mais ceci est extrêmement précieux. Regardez. Ils disent que les assassins de Londres ont trouvé un suaire. Le suaire d'Éden est censé guérir les plus graves maladies. Si les assassins avaient trouvé ce genre de choses, notre père devait le savoir. Il doit nous manquer quelque chose. Quelque chose que nous seuls pouvons voir. On dirait des indications. Vous ne venez pas? Le travail de terrain n'est pas mon fort. Nous avons un indice sur un objet des précurseurs. Vous ne voulez pas le retrouver? Présenté ainsi, comment puis-je refuser? Donc, un petit temps de chargement. Quoi, du moins, un petit. Ils sont assez longs, parfois. Certaines missions, c'est vraiment. C'en est vraiment chiant. Ils mettent une plombe. Bah alors, c'est quand tu veux. J'aurais eu le temps d'aller me faire chauffer un petit café, tiens. Ah ben non, même pas. Alors, ok. On doit aller trouver. Vous savez, je pense que Ok, ce plan a plus de d'accord. chances de nous mener Bon, à la mémoire. c'est parti. Donc, je suis en compagnie de Monsieur Green. Un personnage qu'on voit pas tant que ça, quoi. Du moins, il est surtout avec Evie. Que savez-vous au sujet du suaire d'Éden? Mais sinon, on voit pas tant que ça, ce personnage. Les légendes disent qu'il fait revivre les morts, sauf que les documents des assassins le réfutent. Mais Alors. je n'ai jamais entendu dire qu'il y en avait un à Londres. Vous croyez vraiment qu'Edward Kenway a pu en trouver? Ok. Il a beaucoup voyagé, donc c'est possible. Ah, j'ai Mais pas si c'est pensé le cas, il en a soigneusement gardé le secret. Mais si c'était vrai. à regarder avant de faire la mission si j'avais assez de munitions En effet, je suis impatiente d'en sur savoir moi. plus. Bon, c'est pas grave, on avisera pendant la J'avais trouvé mission. le manoir Kenway. C'est pas grave. Le fils d'Edward, Etam, a rejoint les Templiers. À sa mort, le manoir est revenu à Je sa crois que nous source. y sommes. Je le pense aussi. Regardez. Je serai dans le bureau. Ne me dérangez pas, à moins que l'un d'entre vous ne parvienne à remettre la main sur le carnet. Voilà qui complique les choses. Vous comptez quand même entrer. Si c'est un repère des Templiers, cela va être difficile. Ne vous en faites pas, nous n'approcherons pas de Miss Lucy. On y va. Vous pouvez regarder là-bas? Bien entendu. Alors, trouver le secret de Kenway. Ok, découvrir l'intégralité. Merde, pourquoi je m'épose moi? Oh. Oh, en plus ça m'a enlevé la vision de l'aigle. Bizarre. Bref. Alors, découvrir l'intégralité de la collection de Kenway. Alors, il y en a 7 à trouver. Donc, on va essayer de tous les trouver. Donc, je suppose qu'il va falloir que je sois souvent en vision de l'aigle pour pouvoir détecter les objets. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va prendre les coucous, les couteaux. Hop là, toi, t'es mort. Toi, t'es mort aussi. À savoir si je passe par là ou si je me. Ou si je passe par ailleurs. Ok, non, je vais passer par en haut. Il y a une fenêtre. Allez, dépêche-toi à monter là. Ah, c'est pas... Oh ben merde, je me suis fait griller. Ah merde. Ah putain. Hop là. En plus j'en ai un en face. Hop là, toi, t'es mort. Donc. Alors, ouais. Bah on va commencer par bah par le tuer lui, tiens, allez hop, soyons fous. Hop là. Un artefact Oh des ben, sans le assassins. vouloir.
Ok. Excusez-moi, j'ai arrêté de parler parce que j'étais en train de regarder l'écran pour voir où étaient à peu près les objets, si j'en voyais tout. Parce que là, j'en ai trouvé un sans faire exprès. Alors, hop là, toi, tu restes là. Alors, attends. On a dit qu'il y en avait un ici. Ok, ça date de l'époque d'Edward examiner. Kenway. Ok. Ensuite. Il m'entend pas ce con. Bon, au lieu de rester là trois plombes à siffler comme un blaireau, on va y aller. Ben vas-y toi, bouffe-toi le mur. Donc là, il y a une porte à déverrouiller. Est-ce qu'on va la déverrouiller ou pas? Non, on reviendra après. Là, j'ai vu qu'il y avait l'air d'avoir un objet. Donc ça tombe bien. Toi, je vais t'attirer par là. Hop. Voilà, comme ça, lui, il est là-bas. Il va revenir. Allez, dépêche-toi. Pas que ça à faire. Hop là. Non, comme ça, les deux qui étaient à l'étage, je les ai tués. Alors là, il y a quoi? Ceci Ouais, il y avait un appartient aux truc. assassins. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre objet dans le coin? Donc je suis déjà à 3 sur 7. Alors, non, on dirait qu'il n'y a rien ici. Ok. Ah d'accord, on fait. Ok. En fait, la porte que j'aurais pu déverrouiller, ça a ramené directement dans cette pièce-là. Donc en fait, j'aurais pu déverrouiller la porte et directement buter le mec. Ok. Alors ensuite, en bas, je peux pas sauter par-dessus là? Pourquoi ce bordel? Alors, donc là, il y avait une porte. On va pas y aller parce que ça mène dehors. Ben, bah, ok, c'est là, c'est vrai. Je ne peux pas croire qu'ils aient Alors, gardé tout ça. là, c'est ok. Logiquement, il y en a un autre ici. Voilà, Miss Stone j'avais a une bien âme de vu la première collectionneuse. fois. Voilà, donc comme ça, on est à 5 sur 7. Il nous en manque 2. Donc là, on va aller voir. Apparemment, c'est un bateau. Ça a l'air intéressant. Hop là. Et il nous en manque plus qu'un. À l'arrivée, il trouve celui-là. On va passer par là, on va voir, peut-être qu'il est là. C'est que je vois rien. On va bouger un peu dans la pièce. Oh, je me bouffe la chaise, après je me bouffe le lit. Vas-y, jette-toi dans l'armoire. Voilà. Alors. Non, là il n'y a rien. Putain, il va être où le septième? Ah putain. Donc là, faut que j'aille là, donc faut que je déverrouille la porte. Et ah, mais d'accord, il est là. Donc en fait, les 7 objets sont pas durs à trouver, hein, J'aurais aimé que Père voie ça. ils sont vite à portée de main. Il n'y a pas trop d'ennemis pour nous embêter, donc ça va, c'est nickel. Alors, on va crocheter la porte. Que cherchons-nous au juste? Impossible à savoir. Alors, ok, résoudre l'énigme du piano. Qu'est-ce qu'il Oh y a eu sur putain, le sans bateau? une fausse note. Ce Sans que une nous seule sommes fausse seuls à note, pardon, voir. excusez-moi. Alors. Alors, D-A-D-E-F-D. D-A-D-E-F-D. Tant que je mémorise. D-A-D-E-F-D. Ok. Une dernière fois. Ok, c'est parti. Alors, on avait dit quoi? D, A, D, hop, et après c'était quoi? E, F, D, je crois que c'était ça, ouais, impeccable. Entre nous, j'ai déjà vu plus discret. Il faut croire que Kenway aimait la mise en scène.
Ok. Donc, là, on est rendu dans un passage. On a pris un passage secret qui nous emmène en fait sous la maison. Je n'en crois pas, messieurs. Donc, on peut dire un petit peu la cachette secrète de Kenway. Alors, ok. Une histoire des assassins de Londres. Des refuges, des cryptes. Une clé cachée. C'est ça. Vous avez entendu une musique. Mais cette ouverture n'existait pas. Elle se referme! Oui, je le vois! Aidez-moi à la bloquer! Nous devons trouver une autre issue. Bah oui, logique. On sait toutes que dans des pièces secrètes, il y a toujours une autre pièce secrète pour pouvoir s'évader. Allez, moussaillon! Ici la grand voile, nous nous cassons! Ok. Allez, viens, Bob, on se casse. Allez, suis-moi. Je connais le chemin. Non, en fait, je déconne, je le connaissais pas. Nous la reprendrons plus tard, à moins que nous ne trouvions une meilleure cachette. Hop là. Oh bah, ok. Ça va nous ramener. Ah merde, j'ai cru que j'allais sortir dehors, mais non. C'est que j'avais vu la lumière du jour et je me suis dit, tiens, ça nous emmène directement dehors. Mais non. Fallait monter une échelle avant. Ah ok, d'accord, fin de mission, ok. Bon, mais voilà, c'était la fin de la séquence 4, mémoire 7. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre, et puis à mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!